le monde, c'est Divol Dante et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 si je me trompe pas, de Alien versus Predator, partie Predator, sans même une cinématique d'intro, c'est complètement nul, je n'ai pas été prévenu. Donc voilà, on est dans une sorte de temple, je sais pas trop ce que c'est, on sort de la bouche d'un Predator, trop fort, lol. Par contre il a l'air d'être assez vieux, hein. Il y a tout qui tombe en ruine. Dis donc, va pas me péter la gueule quand même. Je sais pas trop où je dois aller. Je fais comment là? Ils ont pété le pont, les enfoirés. Ça me fait marrer en fait parce que ça fait 2000 ans que tout est ici. Non, 10 000 ans, 100 000 ans, comme Waller avait dit. Enfin bref, que tout est ici. Et c'est pile au moment où moi je veux passer que le pont se détruit. Eh, c'est magnifique quand même. Toujours pour ma gueule. Ah oui, bah tiens, je connais ici. Je sais ce qui va se passer. Petit coup de pute pour se marrer. Voilà, parce qu'il y a des aliens qui vont sortir dès que je vais ouvrir la porte, alors autant leur casser la gueule. Radicalement. Par contre, là, je sais pas du tout comment ça va se passer. J'aimerais bien faire plus de commentaires, hein, mais je sais pas du tout quoi dire. Ce qui me fait peur en fait, c'est que y a une énorme possibilité que je tombe. Ouais, comme là par exemple. Voilà, on passe. Ah, il va être crevé à force de sauter, lui. Il saute tout le temps. Il sait que sauter. C'est un putain de kangourou. Oh putain, je t'avais pas vu, toi connard. Ramène tes fesses. Bim, boum. Paf, pouf. Merde. Je croyais qu'il mourrait au coup puissant. Toi, je t'ai vu derrière. Fuis, voilà. Il est là. Essaye de se le faire. Ouais, like a boss. Ah, ah. Aïe, salopard d'enculé de ta race. Tiens, dans ta tête. Shot. Merde. Mais, dis donc. Boum. Une petite baffe. Alors, on le fait mourir lentement parce qu'il nous a touché, lui. Hein. Non, mais dis donc. Faut quand même pas rigoler, hein. Tiens. Et tiens. Merde. Décidément, je sais jamais quand les ennemis vont mourir, hein. Je leur donne des coups jusqu'à ce qu'ils meurent, en fait. Oh, coucou. Ah oui, c'est vrai, ma mine. Badaboum. J'ai même pas eu à le toucher. Le coup que j'ai donné, il m'a... Change de disque. Ah, le jeu de mots nul. Oh non. Non. Encore une énigme. J'aime pas les énigmes. Je suis nul en énigmes. Ah bah, voilà. L'énigme la plus difficile du monde. Ah, dommage. Je m'attendais à mieux. Tête belle jambe. Non, je trouve ça vraiment génial qu'il se soit appliqué sur ce genre de truc. Par exemple, là, j'ai cru que j'allais me casser la gueule. Qui se soit appliqué sur ce genre de truc, le prédateur qui lève la jambe quand... Oh pardon, cinématique. Désolé, j'ai dû faire une petite ellipse. Je sais même pas si vous l'avez remarqué, c'est pas bien grave. Parce que je croyais être tout seul en fait. Hein. Enfin, je l'étais, mais mon beau-père est rentré, donc j'ai dû faire une ellipse le temps qu'il se rentre, quoi. Enfin bref.
Ça, vous en battez les steaks. Tant que je continue la vidéo, ça va. Tout le monde s'incline devant moi. Non, je déconne. C'est des hologrammes, hein. Enfin, des hologrammes... Ouais, on va dire des hologrammes du passé, quoi. C'est des prédateurs qui ont été là. Et ça, j'imagine que vous l'avez deviné. Il a un casque tout à fait particulier, lui. Attends, montre-moi ton casque. What the fuck? Putain, il a une de ses têtes. Eh, je sais pas si c'était sa vraie tête ou quelque chose dans le genre, mais il avait une de ses tronches. Déjà, les prédateurs dans la nature, ils ont pas une très belle gueule, mais là, lui, il était horrible. Et ouais. Voilà, le mode de vue alien débloqué. Trop fort. Like a boss. On va pouvoir se battre très très sérieusement maintenant. Voilà, par contre, on voit pas grand chose avec le mode de vue alien. Hein. À part les xénomorphes, évidemment, on les voit, ils sont fluorescents en même temps. Mais le reste, on voit vraiment pas. Hein. Je serais capable de tomber. Je vais certainement tomber d'ailleurs. Vas-y, lui, on va lui tendre un piège. Merde! Merde! Non! Boum! Oh merde! Oh non! Je suis tombé tout seul comme une grosse merde! Oh non, mais c'est pas possible d'être aussi nul que moi quand même! C'est juste pas possible! Bon, ben, maintenant on se barre, hein, on connaît le chemin public. C'était juste des prédateurs hein, qui montraient le premier xénomorphe tué, le serpent. On va appeler ça des serpents hein, pour la campagne prédateur. Je mets le mode de vue alien, je sais même pas pourquoi. De toute façon, je l'ai vu. Bon, lui, maintenant, on va lui balancer un disque. Hein. Voilà, tiens. Un petit finish. Bim. Voilà, j'ai le droit de le faire qu'une fois par let's play, autant de... Une fois par épisode, pardon, je me trompe tout le temps. Autant le faire en beauté. Oh, fait chier. Crève, bordel. Non, mais... Aïe. Sa tête a explosé alors qu'il était... Non, c'est pas vrai. Putain. Non. J'en ai marre. Oh, oh putain. Oh, oh non, j'en ai marre de mourir. C'est pas possible. C'est qui le malade qui a fait ce jeu quand même? Bonjour. Ok. C'était intéressant. De toute façon, je suis sûr qu'on va les buter, ceux-là. Quel coup, messieurs ? Oh, merde. Eh, tu vas crever, toi. Hein. Ramène tes fesses. Boum. Die. Boum. Bah. On l'a poussé au suicide. Ah là, il s'est suicidé. Ah oui, carrément. Alors on leur coupe le bras, ils meurent, mais ils sont comme ça. Ah oui, d'ailleurs, je vous le redis, vous disiez peut-être... Il est mort en sentant le bras, lui. Enfin bref, vous direz peut-être, ouais, t'es nul et tout, mais je m'autorise maximum 3 morts. Voilà, je crois que j'avais dit 4 avant, bah maintenant c'est 3. Parce que vraiment, une, bon, passe, on peut tenter, quoi. 2, ça commence à devenir lourd. 3, vous zappez, je vous connais. Donc au bout de 3, je m'autorise 3 morts grand maximum, sinon après j'éteins tout, j'arrête l'enregistrement et je recommence quoi. Mais pour l'instant ça ne m'est pas encore arrivé, hein, je vous rassure. Là je pèterai vraiment une durite. En mode sniper. Aïe aïe aïe, ça commence à devenir très très intéressant. On va recharger tant qu'on y est. Alors aujourd'hui, vous aurez 2 vidéos d'ailleurs. J'upload celle-ci juste après que j'ai fini le montage. Parce qu'elle est déjà très, 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 très en retard. Oh putain. Attends. Oh, son bras est revenu. Oh merde. Non. Non. Oh, cet acte d'amour fait par un bras. Oh, j'essaierai de vous refaire un replay. Ouais, si je peux. Ou si je veux plutôt. Ouais, je vous ferai peut-être un replay. Enfin bref, son bras est revenu. Je vous ferai peut-être même un arrêt sur image si vous voulez. Son bras est revenu, c'était trop mignon. Par contre, sa tête, elle voulait pas partir non plus.
Ah là là, ce corps plein d'amour. Maintenant, c'est un corps plein de sang. Ah ah ah. Âme sensible, s'abstenir. Fallait préciser ça. Là, y a rien à voir. Par contre, ça m'inquiète un peu. Hein, ces trucs-là, la fumée verte que vous voyez là, ça veut dire qu'il y a un alien qui peut sortir, mais si ça se passe, je me fais prendre en gangbang. Oula, le grand terrain là, ça ne me dit rien qui vaille. J'utilise une expression que je sais même pas comment ça s'écrit. Comment ça s'écrit, pardon. Bonjour, toi. Tu as un crâne très particulier. Tiens, il me lance de l'acide maintenant. Et pourquoi je peux pas... 1, 2, 3. Pourquoi je pouvais pas faire ça dans la campagne alien, moi? Ah merde, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas bien grave. Il nous enlève pas beaucoup de points d'ailleurs. Hein. Je suis presque sûr que c'est des nouveaux-nés. Oh oh. Bah ramène-toi toi. Allez viens, meurs. D'ailleurs, je dois vous avouer un fail. Un truc. Voilà, un fail et en même temps un conseil. Dans ma dernière vidéo, quand j'étais dans la raffinerie, je disais à un alien « Allez, viens, viens !» Et en fait, je prévoyais de mettre en parallèle une scène d'Evil Dead avec le monstre qui faisait « Allez, viens, viens !» Voilà, ça aurait été stylé, un truc comme ça. Sauf que... Pardon. Sauf que j'avais pas la scène en question. J'espérais la trouver sur YouTube, mais non, elle y était nulle part. Donc voilà, je m'excuse. J'ai pas su le mettre, du coup. Et en même temps, un conseil, ne faites pas en sorte de parler d'un montage sans avoir tout prévu pour le faire, parce que voilà, sinon ça donne une vidéo pourrie, comme la mienne. Vous verrez, je m'améliorerai au fur et à mesure, j'ai pas l'intention d'arrêter ma chaîne. Je ferai peut-être parfois des absences assez longues, c'est indépendant de ma volonté, hein. Dès que je peux, j'enregistre, mais... Voilà, j'arrêterai pas ma chaîne, ça c'est clair. Vous verrez, elle durera très très longtemps ma chaîne. Même si je dois rester avec 12 abonnés pendant 6 mois, bas les couilles, je continuerai. Ah là, c'est une promesse. C'était dans quoi que j'avais vu ça? J'ai fait une promesse. Ah oui, c'était dans Naruto. Ah, il y a super longtemps ça. Je vous rassure, je ne regarde plus Naruto. Ça fait environ 5 ans que je ne regarde plus Naruto. Oui, par contre, si je me fais avoir plein la tourelle, ça va me le faire. Non, 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 je veux pas mourir. Voilà, on recharge. Première fois que je recharge, quand même, avec le boss. Bon, toi, tu me casses les couilles. La porte est foutue, on doit rester ici, qu'on le veuille ou pas. Eh ben on va aller te voir, ma chère demoiselle. Oh, est-ce qu'on peut péter ça? Non, c'est pas grave. Oui, tu es là. Allez, viens. Merde. Oui, c'est mieux quand on active l'invisibilité. Parce que les xénos, ils peuvent peut-être nous voir, mais pas les humains. Oh putain, je t'avais pas vu, toi. Ah, lui non plus, il m'a pas vu, d'ailleurs. Oh merde, je me suis pas mis en invisibilité. Bah, c'est pas grave. On va la buter quand même. Merde. J'arrive plus à attaquer. Vraiment désolé, j'arrive plus à attaquer, mes touches elles sont bloquées. Voilà, allez. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Excusez-moi, ma manette a un petit problème, c'est pas grave. Je les distrais pas moi, hein. C'est pas mon genre. J'ai pas envie d'attendre 50 ans, le temps de discrère un connard. Est-ce que j'ai dit de discrère? Bon, on va le refaire, le temps de distraire un connard. Je crois que j'ai dit de discrère. Bon, c'est pas grave, vous le savez que je sais pas parler maintenant. Oh, vive les sauts de ouf. Alors, le seul qui prend feu, c'est moyen.
Bonjour. Aïe, salopard. Je dis aïe alors qu'il m'a même pas touché. Hein. Qu'est-ce que tu foutais? Attends là. Oh, deux d'un coup, like a boss, like a big boss. Oh oui, enfin de la fight, enfin du big fight. Oh yeah, oh yeah. Qu'est-ce qui me touche là? Ah, c'est toi. Approchez. Headshot. Aïe, salopard. Non, enculé. Désolé. Tu ne mourras pas. Oh, very, very good headshot. Désolé, le commentaire n'est pas terrible, hein, je dois l'avouer. D'ailleurs, je prévois... je vous ai peut-être gueulé dans les oreilles, c'est pas grave. Je prévois de faire un face commentary, je sais même pas si ça va marcher. En fait, je vous l'ai dit, hein, je peux pas faire de face commentary tout simplement parce que j'ai pas une cam assez performante. Vous verrez mes lèvres bouger deux secondes après que j'ai parlé. Mais je pourrais peut-être essayer de filmer avec mon portable. Mais voilà, ça pourrait être gênant. Mais je vais essayer quand même, j'ai déjà un endroit où je pourrais la placer, éventuellement. Mais voilà, je suis vraiment pas sûr. Si je vous le sers pas, vous étonnez pas. Et ce sera dans assez longtemps. En attendant, les vidéos sur Warframe et tout ça, vous verrez pas encore ma tête. Oui, parce que dans ma vidéo de présentation à ma chaîne, quand j'ai dit je veux rester un minimum anonyme, je voulais dire je vous donnerai pas mon adresse, mon nom de famille, des trucs comme ça. Hein. Si vous voulez, on fera des rencontres abonnés et tout, vous me verrez, hein, vous en faites pas. D'ailleurs, dans les vidéos sur les gens indépendants, vous m'avez vu, hein, genre, enfin, qu'est-ce que je raconte, vous m'avez pas vu, mais enfin, vous connaissez mon nom, quoi, je m'appelle Tristan. Mais on va quand même essayer de m'appeler Dival Dante, s'il vous plaît. Je me suis créé un pseudo, c'est pas pour qu'on m'appelle par mon prénom. Et là, je m'aperçois que je viens de cracher sur mon armoire. J'ai dit, s'il vous plaît. Voilà, il y a son casque qui a volé, j'ai cru que c'était sa tête. T'es au courant que t'attaques dans le vent, là? Oh, c'était radical, rapide et incroyablement sadique. J'adore ça. Repos. Ok, je vais dormir. Lol. Blague de merde. Exécution silencieuse. Like a boss. J'arrête pas de dire like a boss. Excusez-moi, c'est mon truc en ce moment. J'arrête pas de dire ça. Même enregistrement, j'arrête pas de dire ça. Je tiens à préciser que c'est Biggie qui m'a refilé ça. Hein. C'est lui le premier à l'avoir dit. Alors, ce genre de clin d'œil, j'adore. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bah les couilles. Je suis très très vulgaire, je m'aperçois. J'adore ce genre de petit clin d'œil. On a pu voir dans Predator, je sais plus en quelle année c'est sorti, enfin bref, dans Predator, avec Arnold Schwarzenegger, le numéro 1, quand le Predator avait plongé dans la rivière, il va se la fermer lui. Quand le Predator avait plongé dans la rivière, son dispositif d'invisibilité, c'est un mot compliqué alors vous n'avez pas le droit de m'engueuler, son dispositif d'invisibilité s'était désactivé, c'est à dire qu'il pouvait plus se rendre invisible. Il m'a pas vu lui, mais il est grave lui, hein. Ah, il est même pas mort. Oh, in your fucking ass. Oh yeah. In your fucking ass. My disc in your ass. Oh, oh. Attendez, mental. Excusez-moi. Une arène de combat ancienne. Oh, my...
Gars, je suis vraiment désolé, c'est juste que je sais ce qu'on va combattre une fois là-dedans. Et ça m'enchante pas des masses. Non, ce n'est pas l'abomination, ce n'est pas le prétorien. Et ouais, vous auriez bien aimé, hein. Enfin, je dis le prétorien, mais ça s'appelle pas vraiment un prétorien, c'est moi qui aime l'appeler comme ça. Et voilà, une mère assez jeune, hein, je vous ferai remarquer, je dis ça par rapport à son crâne, qui est pas totalement bien forgé. Ah oui d'accord, je dois carrément charger mes coups. Oh, c'est complètement nul. Oui, je dis ça par rapport à son crâne, hein, vous irez voir l'épisode 4 du Let's Play. Vous allez directement à la fin, hein, c'est pas grave, c'est pas la peine de regarder tout le Let's Play. Mais le crâne de la matriarche de fin était totalement différent. Aïe. Mais arrête de m'attaquer, bordel! Ah, laisse-moi je suis pas mort quand même. Putain! Excusez-moi. Je suis mort trois fois. J'y crois pas. Alors là, je commence à hésiter. Je commence à très sérieusement hésiter à arrêter l'enregistrement, mais je suis tellement loin. Bon allez, je continue. Au pire, c'est pas bien grave. Faites-moi confiance, je ne mourrai pas encore. Là, c'était purement une erreur. C'est juste qu'elle est totalement cheatée, cette mère. On peut... Aïe. On peut l'attaquer que de loin. C'est complètement nul. Donc voilà, je passe pour un gros blaireau, du coup. Aïe, ça me met vraiment mal à l'aise d'être mort. Hein. Mais, reviens ici, toi. Ah, oh merde. Oh merde. Ah ah. Ouais, mais ça sert à quoi qu'ils me disent de faire ça alors que ça marche pas? Oui, oui, vas-y, fais ça, ça marche. Vous vous faites enculer, .com. Oh. Je sais même pas pourquoi ça a pété, mais je m'en bats les steaks. Tiens. Aïe. Ah ouais, elle nous fonce dessus quand même, elle nous charge en fait. Oh là là, elle est pas contente. Elle est pas contente du tout, la mère. Eh, non, tu m'attaques pas, connasse. Et un dernier coup puissant. Ça finira dans le top 5 des epic moments du Let's Play. Un monde de souffrance. J'aime bien les noms de trophées. Enfin, à part le jeu de mots nul, change de disque, j'aime bien les noms. Et voilà les gens, c'est terminé pour l'épisode 7, si je me trompe pas, hein, sinon c'est encore un fail. J'ai rien de spécial à vous dire à part, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, laissez un pouce vert, lâchez un com, et attention à la musique.